Les mathématiques, pour le moment, c'est pas dire trop premier. On est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça ne nous arrange pas parce que si on veut match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs que l'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Donc, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait en venant ici qu'on avait des finales à faire. On en a fait deux. Là, c'est la troisième finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Et comme je l'ai dit après le match, c'est franchement mieux de l'aborder avec les quatre points. Ça enlève un petit peu de pression, mais bon, on pourra aussi se jauger un petit peu parce que c'est les champions d'Afrique. Ils ont bien démarré, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués. Donc, ils sont au top, j'ai envie de dire. Donc, voilà, pour nous, ça permettra de nous étalonner un petit peu. Nos supporters vont nous pousser. On avait fait un bon match contre le Sénégal au Cameroun. Je pense que cette année, on est plus fort encore et on espère leur poser des difficultés. Justement, j'en profite pour présenter mes condoléances au nom de l'équipe, du staff et certainement de tous les Guinéens qui sont ici. Parce que, et puis en plus, on a fait une vidéo, je pense que vous l'avez vue. Parce que ça nous touche aussi. Il faudrait pas que à chaque victoire qu'il y ait ce genre de drame. Donc voilà, on peut célébrer, on peut chanter, on peut danser, mais il faut essayer de faire ça dans le calme et c'est le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui. Justement, la pression, c'est plus eux qui l'ont parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre, faut pas l'oublier. Et surtout, ils ont bien commencé. On a vu lors des précédentes éditions que le champion en titre avait les pires difficulté à rentrer dans la compétition et bien souvent il en sortait au premier tour. Donc la pression, non. Nous, on sait qu'on avait des finales à jouer. C'est la troisième finale. Si on veut aller au bout de cette CAN, il faudra qu'on en gagne plein d'autres. Et surtout, à partir des huitièmes, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc celle-là, elle est là. On va dire que c'est un 16e de finale et qu'il faut aller au bout. On va s'entraîner cet après-midi, on va prendre une décision, parce que c'est vrai qu'on tient compte un petit peu de ce qui s'était passé au Cameroun avec Nabi. Il avait joué alors qu'il avait un jaune, et bon, c'était un petit peu différent parce qu'on était vraiment dans l'obligation de gérer ce match parce qu'on connaissait pas le résultat du troisième match du Sénégal. Donc là, on a pris un peu d'expérience, de bouteille. Et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans ce genre de problème, donc c'est clair qu'il va falloir prendre une décision. Mais en même temps, on a ce match à jouer et peut-être à gagner, donc il faut voir. On a 25 joueurs, on fait confiance à tout le monde, ce sera peut-être l'occasion de le prouver. Après, bon, vous l'avez dit, ils sont champions en titre, ils sont au top vraiment, donc respect. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'on voit ça, nous, on a des très bons joueurs aussi, et puis on a une première place à aller chercher. Et je pense que c'est le match idéal pour nous. On va pouvoir se jauger, voir un petit peu où on en est. On n'a pas de pression particulière, on veut juste faire un bon match, rester sur la bonne dynamique du moment, et profiter. Parce que quand on vient en Coupe d'Afrique, entre la préparation, entre les premiers matchs, les deuxièmes matchs, cette pression qui entoure l'événement, on a rarement l'occasion de se dire, ok, on joue un match, un beau match, un très beau match contre le champion en titre et voisin, derby, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Là, ça va vraiment, véritablement être une fête, je pense. Et comme c'est pas une équipe qui ferme le jeu, on va pas se retrouver à jouer face à un bloc bas. Ils vont attaquer et puis ils ont de très gros joueurs. On est vraiment très pressé d'être à ce match demain. Kabadiaora qui joue, c'est la Guinée. Moi, je suis que le coach. Et après, c'est clair, ça va pas être le même match parce que, entre-temps, vous avez été champion. Nous, après ce match-là, j'ai l'impression que notre CAN, elle s'est arrêtée parce que derrière ça, on a perdu 2 fois et puis on est rentré à la maison. Donc, on commence à corriger un petit peu les choses. On l'a fait face à la Gambie. Donc là, on joue le champion à titre et puis on va essayer de se montrer à la hauteur, tout simplement.